on est en train de mettre en place des stratégies pour vous maintenir à 37 degrés l'intérieur de votre corps. Et c'est pas toujours facile. Vous et moi sommes des endothermes. Non, je vous rassure, c'est pas dangereux. La plupart des mammifères le sont. Non, ça veut juste dire que la température de la partie centrale de notre organisme reste constante, quelles que soient les variations de la température extérieure. La preuve, on est sûr. 37 degrés. Pour l'instant, les viscères, 37 degrés. Et le système nerveux central, 37 degrés. Par contre, la température de la peau varie. Et là, on peut dire qu'elle est même en train de chuter. La peau, c'est l'organe des échanges thermiques. Et pour limiter les pertes de chaleur, généralement, les vêtements sont à 5 km. Alors, la peau échange la chaleur avec son environnement de plusieurs manières. Tout d'abord, par radiation, à distance. C'est par exemple quand le soleil chauffe notre peau. On l'en oublie, c'est un peu moi qui l'ai dit. Ensuite, par conduction. Quand la peau entre en contact avec un liquide, un solide ou un gaz à température différente, le transfert de chaleur se fait toujours du plus chaud vers le plus froid. Et je transfère très bien ma chaleur à ce cassant. Par conduction. Sinon, il y a aussi par convection ou évaporation. C'est la transpiration. Mais malgré la radiation, la conduction ou l'évaporation, notre température interne reste stable, 37 degrés Celsius dedans. En périphérie, 20 degrés devant, 20 degrés derrière. En fait, lorsqu'il fait froid, il faut donc produire plus de chaleur. Pour ne rien vous cacher, je vous assure qu'en ce moment, mon corps tente une thermogénèse, tout comme le vôtre. Tout commence par la peau. Sous l'épiderme, il y a une quantité de récepteurs qui réagissent au pincement, qui réagissent à la pression. Les bulbes de Krauss, eux, s'activent dès qu'ils détectent un changement de température. Ce sont des thermorécepteurs. Attention, à partir de maintenant, c'est vrai que ça se passe. Les informations captées par les thermorécepteurs de la peau sont transmises à l'hypothalamus par les neurones via la moelle épinière. L'hypothalamus, c'est le thermostat. Un degré en moins et hop, première action spontanée, des frissons. Des spasmes, provoqués par l'encéphale qui régule le tonus des muscles. Ensuite, la chair de poule, les poils qui se hérissent. A priori, pas une mauvaise idée hein, d'isoler la peau par une bouche d'air. Hein. Mais bon, ce mécanisme ancestral n'est plus efficace. Nous sommes plus aussi mieux que les singes. Nettement plus efficace. Thermogénèse chimique. Là, ça se passe au sein du tissu adipeux. Suivez-moi bien. Les adipocytes bruns sont capables de dégrader les triglycérides pour produire de la chaleur. Et la réserve d'énergie. Et enfin, lorsqu'il fait vraiment très froid, les vaisseaux sanguins situés à la surface de la peau se rétractent et transportent moins de sang chaud vers les extrémités froides. Ils protègent ainsi les organes vitaux. On dirait tout blanc. C'est la vasoconstriction. Et quand tous les mécanismes de production de chaleur ont échoué, l'organisme cède. C'est la baisse de la température interne. C'est l'hypothermie. Au-dessus de 35 degrés, je risque de ne plus être très lucide, de ne plus avoir la volonté de survivre. Alors, pour le bien de la science, il est grand temps que je me rhabille. Salut !